Yo les gars, Dark King pour une nouvelle vidéo sur Vanadia, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va nickel. Et oui, comme vous pouvez voir dans le titre de la vidéo les gens, je vais dupliquer plus de 300 minerais, donc ça sera des random or, du platine, un peu de vanadium, parce que oui j'ai eu un peu de vanadium. Et on va voir si je vais réussir à, être un peu plus riche avec ces minerais, excusez-moi, pour essayer de les revendre juste après. En tout cas, si t'es toujours pas abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, ça me ferait juste super plaisir. De partager la vidéo si ça kiffe avancer la chaîne, de commenter la vidéo, je rappelle que je lis tous vos commentaires, et de liker la vidéo. Et moi je vous laisse, c'est Dark King, je te souhaite un très bon visionnage. Bon les gens, regardez mon under chest, j'ai beaucoup de minerais. Donc là j'ai un bloc de vanadium, bon ça je l'ai créé, j'ai crafté il y a peu. Donc regardez, j'ai du platine, j'ai des XP, j'ai 5 vanadium or, j'ai encore de l'XP ici, et je pense que c'est bon, ouais, parce que le jade et l'iris, j'en ai pas pris. Donc voilà, j'ai 2 stacks de random or, 2 stacks de platine, 1 stack d'XP or, et 5 vanadium. Donc je vais tout simplement les dupliquer. En fait, je vais tout simplement prendre une pioche fortune 3 et les dupliquer pour essayer d'avoir plus de minerais. Le vanadium, je sais pas si on peut le dupliquer, faudrait que... Bah, on va voir ça de toute manière. Donc je vais essayer de chercher une pioche fortune. Je sais pas si dans mon underchest j'en ai une déjà ou pas. Je vais voir ça... Non, j'en ai pas, malheureusement. Bon ouais, genre, let's go essayer de trouver une pioche fortune pour dupliquer nos minerais. Ah bah nickel les gars, j'ai mis fortune. Et regardez sur quoi je suis tombé. Je suis tombé sur des livres. Oh la vache, le livre P4, efficacité 4, sharpness 3, breaking 3, fortune 2, turns 1. Bah putain. Là on a une fortune 3, on va acheter l'item. Ok nickel, ça n'a pas voulu. What? Ah bah voilà, acheter l'item, c'est bon, j'ai acheté l'item. Là j'ai silk touch, ça m'intéresse pas. Écoutez, on va prendre efficacité 5. Ah non, il faut juste que je trouve une enclume. Qui y a là? Une enclume, tac tac. On met la fortune 3. Et voilà les gars, c'est bon, j'ai une pioche platine fortune 3, ça fait plaisir. Et maintenant nous allons tout simplement miner nos minerais et essayer d'avoir beaucoup de minerais, donc pour être riche, et après je vais les vendre au market. Vous pouvez voir, je suis à 9000$, c'est pas énorme, donc je vais essayer au moins d'être à 20-25 000$ grâce. Ou après les PB, hein, ça peut marcher aussi par PB. J'ai 0 PB, donc pourquoi pas essayer de vendre mes minerais pour des PB. Donc du coup voilà, on se retrouve les gens dès que j'ai posé tout ce que j'ai à poser. Donc déjà on va commencer par les 2 stacks de random or. Je pense que ça peut être assez stylé. Donc on va commencer par tout mettre. Oh les gars, vraiment, j'espère au moins avoir du vanadium avec tous ces random or. En vrai les gars, je parierais sur un petit... Je pense que je peux me faire au moins 4 vanadium. Non, peut-être pas 4. En vrai, peut-être que je peux... Attendez. Ah ouais, on a que 1% de chance d'avoir du vanadium. Regardez les gars, on a 1% de chance d'avoir du vanadium, 2% de chance d'avoir fragment neutre, 25% d'avoir platine, 32 jade et 40 linarite. Donc j'en ai plus de 100, donc normalement je devrais au moins avoir un vanadium. Et allez, j'espère au moins en avoir 2, comme ça 2 ça signifie avoir l'épée, donc ça serait plutôt cool d'avoir l'épée. Allez, je mets les derniers random or et c'est parti pour miner tous les random or. Donc il y en a presque 2 stacks. Allez, c'est parti. Moi je vous reprends les gens, on a déjà du platine, c'est cool. Moi je vous reprends les gens dès qu'on a quelque chose d'intéressant. Ah les gars, regardez, on a eu un fragment neutre déjà dans mon inventaire. Vous pouvez voir qu'on a eu un fragment neutre. Franchement c'est cool, on a que 2% d'avoir un fragment neutre. En vrai ça commence bien. Et on a beaucoup de platine, hein, en vrai. On a beaucoup de platine, 2 fragments neutres. Et bah ça commence bien, en vrai ça commence bien. Moi je veux du vanadium par contre, donc s'il vous plaît, je veux juste du vanadium. Bon, je suis à 20 platines et 2 fragments neutres et je n'ai toujours pas vu le moindre vanadium. Ça commence à faire flipper tout ça. Putain, mais on arrive déjà à la fin sur 100. Sur 100 random or, je vais pas avoir un seul vanadium. C'est sérieux ça? Non, même pas un seul vanadium. C'est une blague. Oh putain. Mon dieu. Les gars, j'ai eu plus de platine que de jade. Mais c'est incroyable. J'ai eu aucun vanadium. J'ai eu 2 fragments neutres. Qui me fait 3 blocs de platine. Qui me fait 6 blocs de linarite. Et qui me fait 3 blocs aussi de jade. Donc maintenant, il me reste plus qu'à prendre les platines, 2 stacks de platine. Et on va voir à combien de platine je vais me retrouver. Combien de minerais de platine je vais me retrouver. Ok, c'est parti. Est-ce que déjà ça... Est-ce que la fortune marche déjà? J'ai envie de voir. Ah oui, le fortune marche. Ok, c'est bon. C'est plutôt cool. Donc du coup, je suis à 19 platines. Bon, on va voir combien de platines je vais réussir à avoir du coup. Mais ça marche, mais des fois ça marche pas. C'est bizarre. Enfin, je pense qu'avec les minerais de vanadium, ça va vraiment pas très bien marcher. En vrai, là, je commence déjà à me faire un peu de platine. En vrai, je commence à avoir beaucoup de platine. On a un bloc de vanadium pour 100 PB. Ouais, je sais pas. Faut voir. Faudrait voir. Mais ouais, je sais pas combien...
un platine, vous, en termes de PB. Au pire, on pourra se faire en termes de money. On verra bien. Mais bref, voilà, je suis à 64 platines. Oh, en fait, j'en ai mis, les gars, j'en ai mis 64 et 56. Hein. On va voir à combien je vais être. Si la fortune, ça marche ou pas. La fortune, elle marche, mais bon. J'avais plus 8 platines avant. J'avais 8 platines avant de faire. Avant de casser. Et voilà, c'est bon, j'ai terminé. Donc maintenant, je me retrouve avec 2 stacks et 8 platines. Donc en vrai, la fortune 3. Bah ça sert à rien. À moi, en vrai les gars, je connais pas Vanad Pro, Vanadia. Peut-être que j'aurais dû utiliser un truc plus spécial. Je sais pas. Et maintenant, on va prendre le Vanadium. Bon bah là, voilà, j'en ai que 5 malheureusement. Donc on va voir combien de Vanadium je vais me faire. Hop, hop, hop. Et voilà, je me suis fait 5 Vanadium. Bon, ça c'était prévisible, hein. C'était vraiment prévisible. Et aussi, on a les XP or. En vrai, là, les XP or, les gars, je sais pas combien d'XP je vais pouvoir me faire avec les XP or, mais ça va être assez drôle. Et les XP or, je sais, enfin, l'XP, le level d'XP qu'on a, je sais qu'on peut le revendre très facilement. Ok, c'est bon, les gars, j'ai terminé de mettre les XP or. Donc, on va voir combien d'XP je vais avoir. Donc, j'étais à combien d'XP. Oh, bon, tant pis, hein, on va voir. Je sais plus à combien d'XP j'étais, merde. Bon, écoutez, on va voir combien d'XP je vais être en cassant tout mes XP or que j'ai mis, donc j'ai mis presque, j'ai mis un stack et demi je crois, voilà, j'ai mis un stack et demi. On va voir ce que je peux avoir en espérant d'être à 50 levels, on sait jamais, avec 50 levels je sais pas combien de PB je peux me faire, je pense que je peux me faire même pas 5 PB. Bon voilà, allez c'est parti, je casse tout et on se retrouve juste après. Bon, je suis déjà à 54 XP, je pense que je vais être à 55 XP assez facilement, et voilà, nickel, c'est bon, 55 XP. Et maintenant, grâce à tout cette duplication, enfin toute cette duplication, ouais, tous mes minerais que j'ai pu dupliquer avec ma fortune 3, j'ai eu 18 blocs de platine, 6 blocs de linarite, 3 jade, 2 neutral fragment et 5 vanadium, excusez-moi. Donc c'est plutôt cool, je suis assez content. Donc là du coup j'en ai 8. Donc ça on va mettre ça là, ça on met ça là, ça on met ça là, nickel, ça on met ça là au pire, hop hop. Et voilà, nickel. Bon, je suis assez content, nous les gens, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Comme vous le savez les gars, sur Vanadia il y a des quêtes journalières. Et là j'ai fait mes petites quêtes et regardez ce qu'on a. On doit faire, vous devez acheter 16 underpearls au shop, vous devez manger un gâteau de l'enfer, donc j'en ai mangé 0. Accomplir la quête journalière suivante, vous devez poser 320 blocs. 320 blocs, ah bah c'est ce que j'ai fait du coup avec les minerais. Donc qu'est-ce qu'on a? On a un kit alchimiste. Ok, donc on va mettre ça directement à la base. On va aussi acheter directement des underpearls. 50$ prix d'achat, ah oui ça coûte cher. Écoutez c'est pas grave, on va en acheter 13, je crois que c'est ça. Et du coup maintenant si on fait la quête et il nous manque encore une seule underpearl et on aura terminé cette quête, hop, cette première, enfin cette deuxième quête cette vidéo. Donc attendez, faut que je mette ça dans les coffres maintenant. Hop, on va directement prendre la petite quête. Encore un kit alchimiste, mais non. Kit alchimiste, bah ouais, encore un kit alchimiste. Putain, mais j'ai eu 2 kits alchimistes, c'est une blague. Bon bah un deuxième kit alchimiste et maintenant on doit manger un gâteau de l'enfer. Écoutez, à l'HDV, j'ai mis 3 blocs de platine pour 15 PB. J'espère qu'ils vont partir. Je sais même pas si ça... En vrai, je sais même pas c'est quoi. Donc, je sais même pas si je me fais arnaquer ou pas, je pense. Hein, mais bon. Pour les gens, comme je fais sur Palladium, je vais aller PVP sur Vanadia. Même si là, c'est un autre level, Vanadia, clairement. Écoutez, je vais pas y aller platine PK TU3. Sinon, je vais me faire complètement mais démonter. Je vais y aller kit 3, je pense. Voilà, kit 3. Voilà, je pense que c'est bon. J'ai pris beaucoup de heal, beaucoup de speed, beaucoup de... Bref. Donc maintenant il faut juste que je trouve des pommes. Au pire slash kit. Je pense dans les kits il y en a un premier prince. Voilà, kit prince. Chevalier. Et voilà, il y en a, ça spawn et c'est parti les gens. On se retrouve dès qu'il y a un peu d'action. Oula les gars, oula 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 oula. Oh non, je suis pas prêt. Je suis pas prêt, ils sont venus à plusieurs. Ah mon dieu. Attends, j'ai. Mais non, mais ça se fait même. Non par contre de prendre. Ah. Oh il a. Oh non. Oh non les gars, venez m'aider. Regardez comment je suis stuff, ils me prennent en 2v1. Oh mon dieu. Mon dieu. Qu'est-ce qui... Waouh, mec. Mec, je me suis fait démonter. Oh, plus jamais je fais ça. Plus jamais je fais ça. Il y avait Myr et l'autre... Et une autre personne. Ah bah, c'est Nexos, du coup. Qui m'ont 2v1 alors que j'avais quand même un putain de stuff de merde. Même pas PK TU3. C'est pas vraiment une victoire pour eux. Enfin bref, en plus je suis nul au PVP. Enfin bref, GG à eux de m'avoir multi. Et sinon nous les gens on se retrouve pour une suite de la vidéo. Et là je suis en train de me rendre compte que notre FOM s'est fait piller. Le pantalon P4 6 level. En vrai ça coûte pas si cher que ça. Donc je suis assez content. Tac tac. On prend maintenant un autre PK TU3. P4. Enfin PK TU3 non parce que j'ai pas du 3. Et du coup maintenant le dernier ça sera le casque. Et hop voilà. Nickel, ça c'est... Ah ça, franchement, ça spawn. Franchement, je suis content. Franchement, je suis
assez content de mon petit stuff vanadium. Regardez-moi ça, ah, il est beau, il est vraiment beau mon stuff vanadium. Voilà, je l'ai mis PKTU3, PKTU3 non, pourquoi j'arrête pas de dire PKTU3, c'est assez chiant. Du coup voilà, maintenant j'ai un full vanadium P4, il va falloir que je mette PKTU3 dans la prochaine vidéo, mais ça je pense qu'on fera ça, comme vient de le dire tout simplement, dans la prochaine vidéo de vanadium. Et voilà les gars, on va s'arrêter là pour cette vidéo, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'hab, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour me soutenir, ça me ferait juste super plaisir. De t'abonner à la chaîne, merci pour les 41 000 abonnés les gens, on a enfin dépassé ce chiffre. Bah maintenant, road to 42 000 abonnés, hein, j'ai envie de vous dire, merci beaucoup. N'oubliez pas de partager la vidéo les gens, c'est ça qui fait avancer la chaîne, donc voilà, n'hésitez vraiment pas à partager la vidéo et à commenter la vidéo. Je réponds à tous vos commentaires, et moi je vous laisse, c'était Dark King, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!